Eh bien, salut tout le monde, c'est Zotrance pour une nouvelle vidéo sur l'aventure Fifou. Donc voilà. Donc ça fait un bon moment que j'attendais cet épisode parce que j'en avais vraiment marre. C'est du quartz. Je sais pas si c'est la première fois que je. Oh non. Bref, j'en avais vraiment marre les gens parce que j'avais fermé les vaches comme je pouvais à fond, mais j'ai vraiment grave galéré. J'ai même dû faire une autre, je me suis fait une épée en fer normale, basique, toute simple. J'ai d'abîmer celle-là. J'ai plus d'or. J'ai entendu une orage. Donc voilà. J'ai dû faire une autre épée et tout pour aller les farmer et tout. Donc voilà. J'ai grave galéré, ensuite à attendre que la canne à sucre pousse, faire masse livre, donc j'ai réussi à faire mes livres. Heureusement que j'avais la canne à sucre, heureusement que j'avais des vaches pas très très loin, même si c'était un peu loin d'ici. Mais je vais me paumer. Donc j'ai creusé vite fait, ça là va vite. Hein, donc je me suis dit bon, peut-être ça enchante level 30. Donc oui, ça enchante level 30 à partir de maintenant. Donc voilà, c'est cool. Donc on va découvrir l'enchantement maintenant de l'épée qu'on nous allons faire. Une épée badass. Oh, il fait nuit. Donc voilà. Je peux vous dire comment j'ai galéré. Ça m'a saoulé. Genre, j'ai mis je sais pas combien de temps. J'ai mis des heures et des heures. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui. Faire l'épée en diamant. L'épée en diamant. L'épée en diamant. Hop là. Hop là. J'ai pris un diamant. Allez. J'ai oublié le lapis à jouer. Le lapis, où es-tu? Le lapis, où es-tu? Là. Donc, si vous voulez, je mettrai le lien du pack de texture dans la description de la vidéo. Oh non, ah oui, c'est vrai. D'abord, maintenant je suis obligé d'enchanter un truc. Attends, je vais pas avoir une épée comme ça, moi. Si j'ai ça, je me tue. Hein. Oh là là, je vous jure. Bon, puis on essaye, si jamais on a autre chose. Alors. Oh, il faut même les lapis et tout. Lol. Ah, Fire Spec 2. Bon, ben. Plutôt pas mal. Mais par contre, cet enchaînement, je sais pas du tout ce que ça dit. Ban of Astropod 5. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Les pendiamants, il est drôlement bien, je trouve, avec ce pack. Bon. Ouais, je crois que c'est. Je crois qu'en fait, on a eu de la merde. Pourquoi j'ai plus 27 level? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je l'ai enchanté level combien? J'ai pas enchanté level 3. Oula, je ne comprends pas. Ce qui se passe. Paumé là. Bref, on va se faire des torches. Ah, c'est fou. J'ai dû encore raser des arbres. J'ai fait que ça de ma journée. Là, j'ai envie d'aller miner miner un peu de trucs et tout pour pouvoir revenir avec 30 levels encore. En fait, les carreaux, ça remonte que 1,5. Enfin 1,5. Donc on va descendre dans cette mine, on n'est pas y allé depuis pour. Depuis un bon moment, je dirais. Hein? Faut surtout du truc, du lapis ou. Ah. Quoi demander mieux? Allez, faut le level 30. Je veux remonter et être level 30. S'il vous plaît. Faut toujours demander, faut toujours dire s'il vous plaît. Là c'est du fer, mais bon on s'en fout un peu du fer.
Bref, on va descendre dans la grotte là où on était avant. Je sais pas si vous vous en rappelez, hein. Elle est là. Oh. Alors, évitez ça la connerie que la dernière fois, vous savez. Hein, on mine le charbon tranquille et moi, comme un gros boulet, j'ai vu le trou là où il y avait la lave en dessous. Et j'ai sauté dedans. Merde. Putain, encore level 27. Putain, le charbon en fait, c'est vraiment nul. Hein. Putain. Bref, je sais pas trop quoi vous dire. Hein. Vous entendez ce bruit des mines de la Moria. Donc j'ai vu que la vidéo Eating Dead, ouais, je crois que ça se dit comme ça, a fait de nombreux vues. Pas mal de vues plutôt. Ça fait plutôt plaisir. Parce que déjà, je l'ai posté il y a 2 semaines, je pense. Je suis presque à 100 vues. Est-ce que je pourrais une vidéo comme ça, ça vous intéresse. Hein, hein, fallait me le dire avant. Cobblestone, voilà. Du charbon de partout. Du charbon de partout. Tout ça, parce qu'en dessous, il y a la lave. Arrêtez de faire trop le couillon. Allez, putain, je vais pas monter. Je suis même pas arrivé encore à mettre le level. Bon. La couche combien là? 11. Bon ben. Oh, tu as pisse. Ben voilà ce qu'il me faut. Hé hé, j'ai pas oublié mon seau de haut. Tenter le jump, tout sauf ça. Casse un petit morceau de cobble. Oula, désolé pour les frises qui sont au bord de la lave. Très 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 dangereux. Oh. Waouh. Oh. Et bah. Bien gâté ici. Hein. C'est cool ça. Bon, ça, je sais que ça donne pas de level, on le prend quand même. On va se faire comme une pomme au nord, vous savez, pour. Ender Dragon, hein, ça se trouve il est hyper puissant. Je suis à la couche 11 toujours. Et donc là-haut c'est quoi cette mine alors? Déjà été exploré. Ah mais oui c'est là. D'accord, d'accord, d'accord. Bon on a la couche 11, on a miné. Enfin, un nage petit vite fait hein. Le faire. Donc oui, les vidéos sur ETS ne vont plus reprendre tout simplement parce que mon compte Steam a été bloqué. Enfin, j'ai un problème, mais ils disent que j'ai un problème avec ma connexion internet. Ils savent pas qu'on est à se connecter au réseau internet avec mon compte Steam. Simplement parce que j'ai amené mon PC ailleurs pour jouer à ETS 2 et tout. Enfin, c'est pas pour jouer, c'était. Enfin, je vais passer la nuit chez quelqu'un et tout. Donc j'avais amené mon PC et tout. Et en fait j'ai joué là-bas et en fait mon compte Steam est resté connecté sur la wifi de là où je suis allé dormir. Et donc depuis ben, en fait ils me disent qu'en fait je suis toujours connecté à la wifi de là-bas. Mais quand je vais chez moi ben j'ai plus accès en fait. Donc tous les jeux que j'avais acheté sur Steam et tout, j'ai tout ça bien profond dans le cul. Punaise. Donc oui à Noël j'ai essayé de m'acheter un autre PC pour simplement pour avoir au moins Steam dessus et jouer à ETS 2 parce que c'est un de mes jeux préférés. Enfin c'est mes jeux, c'est mon jeu préféré avec Minecraft. Parce que j'ai passé du bon temps et tout, on faisait des convois, c'était vachement super. Mais bon maintenant là, j'ai passé des nuits sur ce jeu. Mais bon, que voulez-vous, c'est pour ça il faut que je m'achète. Au début j'ai hésité entre la PS3 et un PC, mais je me suis dit que en fait vu que je voulais à tout prix jouer à ETS 2 et à d'autres jeux Steam et tout, et donc je me suis dit qu'avoir un PC ça aurait été mieux, avoir la PS3 c'est sûr ça aurait été bien aussi pour jouer à GTA 5 et tout dessus en ligne et tout gratuit. À mon avis la PS3 ne va plus tarder à passer avec la ligne
À mon avis, ils vont enlever la ligne sur PS3, à mon avis. Je ne sais pas, mais à mon avis, c'est ça, moi. Il y en a, ils m'en ont déjà parlé. Ça se répète partout, donc... Donc voilà. De toute façon, j'aurais bien aimé avoir la PS3 et faire des vidéos de GTA 5 dessus, mais il va falloir... J'aurais dû aussi acheter un HDP VR pour tourner les vidéos dessus. C'est pas que j'ai pas envie d'acheter un HDP VR. C'est pas parce que je préfère les jeux sur PC que sur console, en fait. C'est pas que j'aime pas les consoles, au contraire, j'aime bien, mais j'aime mieux PC, quoi. Ça passe avant la console. Voilà. La pioche est bientôt cassée. Elle va casser dans 3. Bon, elle a déjà cassé, donc on va remonter. Et à mon avis, je vais plus tarder à vous laisser. Vu que miner pour vous, ça ne vous intéresse pas. Je le sais, ne disais pas non, je le sais. Donc voilà, voilà. Donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans plus très très longtemps. Hein. Donc voilà, voilà. Et sur ce, je vous fais très gros bisous à tout le monde et à la prochaine tout le monde. Salut.